www.lascene.info. Plusieurs départs de feu ont été déclarés dans le Var depuis la mi-journée de ce lundi sur les communes de Fréjus et Bauduin. Trois campings sont en cours d'évacuation sur Fréjus, de manière préventive. Le Holiday Green, où se trouvent 3000 personnes, le Pain de la Lègue, 5500 personnes, et la Pierre Verte, où se trouvent 1500 personnes. Au total, ce sont donc 10 000 personnes qui sont en cours d'évacuation, notamment vers les gymnases de la commune de Fréjus. À Fréjus, le bilan, c'est déjà 30 hectares qui ont été brûlés. C'est un feu qui mobilise 200 sapeurs-pompiers et 50 engins. Sur la zone, le vent d'ouest est toujours très fort, le flanc gauche est stabilisé, le flanc droit est toujours actif. Il n'y a pas d'impact à ce stade sur l'autoroute A8, hormis la fermeture préventive de l'échangeur 38 en direction de l'Italie. À Bauduin, le feu s'est déclaré vers 15h, il a parcouru 2 hectares, on a actuellement 4 canadaires et 2 hélicoptères qui sont mobilisés. Sur l'ensemble de ces feux, aucun blessé n'est à déplorer sur l'ensemble de ces points. Sur le plan matériel, néanmoins, on déplore 25 mobilhomes endommagés, atteints par le feu au Pain de la Lègue, à Fréjus, et également 8 mobilhomes atteints par le feu à l'Holiday Green. On a également une supérette qui a été touchée. Tous les établissements sanitaires et médico-sociaux ont été prévenus des événements. J'appelle chacun à faire preuve de la plus grande vigilance et à respecter les mesures habituelles. Je rappelle qu'il ne faut évidemment pas jeter de mégots. Il faut faire attention aussi au respect de la carte d'accès au massif. Cette carte est disponible sur le site internet de la préfecture du Var. La plus grande vigilance est de mise. Je rappelle également la plus grande fermeté par rapport au non-respect de ces règles qui sont nécessaires pour la sécurité de tous. www.lascene.info